Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une visite d'appartement à la clé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de formation. Alors pourquoi je parle de ce sujet? Eh bien, c'est parce que je sors en fait moi-même de 14 heures de formation qui sont obligatoires en fait dans le cadre de mon activité. Et puis je vais également suivre une autre formation de 14 heures à nouveau, mais cette fois-ci dans un contexte, dans un cadre un petit peu différent. Je vais vous expliquer dans un instant. Voilà, bon, cela je vous montre également, je profite de me trouver vers un appartement dans une copropriété dont je vous montre justement les parties communes alors qui sont prochainement on va dire à rénover dans un état moyen. Et puis là vous voyez des petits morceaux d'emballage, et bien c'est qu'on se rapproche de l'appartement qui a été acheté donc par un couple d'investisseurs qui se trouve en Belgique en l'occurrence. Donc c'est le deuxième appartement qui a été acheté par mon biais, bon, avec mon aide à distance par ce couple d'investisseurs. Et ben, je vais en profiter justement pour vous parler à la fois de formation et puis de vous montrer in situ ce que peut donner un appartement. Voilà, on se trouve dans un appartement de type T4 avec, vous allez le voir, alors c'est T3 en fait aujourd'hui avec deux chambres. Alors la formation, pourquoi je vous parle de cela? Eh bien c'est parce que, donc, comme je viens de vous le dire, donc, l'idée déjà c'est que quand on est un professionnel dans quel que soit le domaine d'ailleurs, vous avez souvent des formations qui sont obligatoires. Ça va être pour vous maintenir à niveau, j'allais dire. Si vous êtes dans le juridique, ça change constamment. Et puis les pratiques évoluent, donc c'est en cela que vous avez toujours des formations qui sont proposées de manière régulière. Alors moi-même dans mon activité, je suis donc chasseur d'appartements professionnel. À ce titre, eh bien, je suis en fait un agent immobilier. J'ai créé ma société, j'ai donc la carte T donc, pour faire de la transaction, donc de la recherche d'appartement, chose qui est obligatoire pour pouvoir pratiquer. Et dans le cadre de cette chose-là, eh bien, je dois renouveler ma carte T, c'est-à-dire qu'elle a une durée de vie désormais de 3 ans. C'est très encadré par la loi, okay, et c'est tant mieux, puisqu'avant, il n'y avait pas de règles, et donc il a de cela encore 30 ou 40 ans, tout le monde pouvait acheter, vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix, sans vraiment d'encadrement, donc c'est aussi bien qu'il y ait tous ces formations, voilà, puisque il pouvait y avoir un risque, vous en doutez, pour l'acquéreur qui pouvait être lésé ou ne pas être au courant de tout, ou avoir subi un défaut de conseil, comme il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de recours, donc c'est très bien que ces formations souhaitent arriver et que, eh bien justement, elles puissent justement, j'allais dire, faire un petit peu le tri et puis maintenir les gens professionnels et sérieux avec des recours si vous en avez besoin, versus des choses un petit peu plus, on va dire, hasardeuses, voilà. Donc cette formation, je suis allé me rendre à la CCI, en fait, hein, dans le Rhône, vous avez la CCI vous avez le centre de la formation de la CCI qui se trouve à Lyon 9e, et puis donc j'ai participé pendant 2 jours pleins, hein, 14 heures, enfermé dans une salle, donc c'est pas toujours évident, c'est une contrainte quand on est habitué à être à l'extérieur en visite d'appartement tous les jours dans les rues, mais c'était aussi très intéressant puisque j'ai pu rencontrer, et vous aussi si vous formez dans des formations in situ, en salle, vous allez rencontrer des confrères, des collègues, vous allez pouvoir échanger sur les meilleures pratiques, parfois des choses étonnantes. En l'occurrence, j'ai rencontré par exemple un marchand de biens. Donc un marchand de biens, il faut savoir qu'il n'a pas l'obligation, lui, d'avoir la carte T dans son activité d'achat et de revente d'immeubles, mais il a le projet justement de l'utiliser, de l'obtenir et de l'utiliser. C'est pour ça qu'il était présent à cette formation. Il y avait également un confrère, c'est-à-dire une autre agence immobilière, alors qu'il faisait plus de la transaction classique, c'est-à-dire avec des mandats de vente et des biens à vendre, là où moi-même je ne fais que des mandats de recherche et je cherche des appartements pour des acquéreurs et des investisseurs comme vous et comme les personnes qui ont acheté cet appartement. Voilà, il y avait la personne qui formait, évidemment, il y avait la formatrice qui est de formation juridique et qui est tout à fait apte à répondre d'ailleurs brillamment à toutes nos questions. Donc ça, c'est également très enrichissant de pouvoir échanger avec les personnes et pas juste d'avoir un cours, on va dire, théorique. Bref, tout ça, c'est très très enrichissant. Et puis, ça permet justement d'obtenir à la fin une attestation d'assiduité de formation. Donc, c'est grâce à ce genre de documents, justement, que je vais pouvoir attester que j'ai bien été présent les 14 heures d'affilée à la formation et que je vais pouvoir être apte à renouveler ma carte ma carte professionnelle qui va donc se prolonger sur 3 nouvelles années. Et dans 3 ans, même chose, il aura fallu que je fasse 28 heures de formation sur ces 3 ans. Donc, ce qui est tout à fait absorbable, hein, on est d'accord. Et par ailleurs, donc, il me reste encore, au moment où je vous parle, maintenant que j'ai fait 14 heures, il me reste encore 14 autres à faire. Et c'est là qu'en cherchant un petit peu, je suis tombé sur des formations qui sont cette fois-ci non plus en présentiel, mais en e-learning. Et ça, vous vous en doutez, vous qui m'écoutez, vous êtes connecté aujourd'hui à Internet pour voir cette vidéo et pour m'écouter. Eh bien, vous avez accès comme ça à un nombre incroyable de formations dans tous les domaines d'ailleurs. Il faut savoir que
Déjà, à la CCI où je me trouvais, il y avait des salles de formation partout et des formations sur différents sujets. Il y en avait sur l'expression écrite, il y en avait sur comment avoir plus de confiance en soi, il y en avait sur l'organisation personnelle. Bref, il y avait vraiment de tout, hein, pas que de l'immobilier. Et vous aussi, à quelques clics de souris, vous avez accès comme cela à énormément de formations. Et c'est tout à fait enrichissant, que ce soit pour améliorer votre vie personnelle, que ce soit pour enrichir vos finances, enfin améliorer vos finances, que ce soit dans votre domaine professionnel pour vous améliorer, être plus efficace. Et puis, parfois c'est obligatoire, mais parfois ça ne l'est pas, mais c'est toujours un plus que de se former. C'est un vrai, un vrai atout que d'avoir accès à cette connaissance, à ces mises à jour de formation. Donc c'est en cela que je pense que c'est tout à fait utile pour le plus grand nombre d'avoir accès à ces choses-là, et tant mieux qu'Internet soit arrivé. Et c'est extrêmement pratique, puisque la formation que j'ai achetée ce matin même, en fait, ce sont des modules vidéo. Alors, modules vidéo qu'on peut donc télécharger et voir à sa guise, j'allais dire à ses heures perdues, en tout cas sans avoir besoin de se déplacer. Il y a des présentations en PowerPoint, il y a des documents écrits également à lire, format PDF ou Word. Et tout cela, bien évidemment, c'est dispensé par des formateurs qui sont tout à fait compétents, qui sont des professionnels également de la formation. Et donc, comme ça, ça nous dispense, j'allais dire, notamment de se déplacer. Donc, c'est quand même un plus, hein. On peut faire cela un peu quand on veut. Et puis, le prix également n'est pas neutre, puisque la formation en e-learning est divisée par 4, hein, pratiquement, versus le fait d'être en présentiel. Et le présentiel, il faut se déplacer, il faut rester de manière assidue, comme l'atteste le papier. Il y a quand même des contraintes, hein, puisque vous avez des coups de fil qui peuvent arriver pendant, il faut les faire attendre. Il y a des choses qui arrivent pendant toute la journée, donc c'est en ça qu'à la fin de la formation, ou des 2 jours de formation, vous avez quand même du travail qui s'est accumulé et sans que vous n'ayez plus le faire. Ces formations, qu'elles soient sur le terrain ou en ligne, je vous invite évidemment à les utiliser à bon escient. Et moi-même, donc, j'ai pu également participer à des formations, mais cette fois en tant que formateur. Alors ça peut être sur scène, lors de séminaires de certaines personnes qui sont dans l'investissement immobilier. Ça peut être participer à des modules vidéo, justement, que j'ai pu enregistrer. Dernièrement, la vidéo précédente, c'était donc avec une investisseuse québécoise, Stéphanie Milo, qui donc lance son programme, notamment sur le marché européen. Donc j'ai pu faire part de mon expérience de chasseur d'appartements, chose qui n'existe pas manifestement au Canada. Donc c'est en ça que c'était intéressant et qu'elle avait des questions tout à fait pertinentes. Et donc moi-même, désormais, je lance également ma formation qui s'appelle Colloque Action Pro. L'idée, vous l'entendez, c'est de vous pousser à l'action pour obtenir un appartement. Et puis le résultat, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de bien qui, alors, soit va tendre vers l'autofinancement dans une grande ville, donc un appartement qui va se valoriser, qui fait l'objet de pressions locatives et qui tend vers l'autofinancement, c'est déjà bien plus pour assurer l'avenir, se sécuriser. Ça peut être des biens qui s'autofinancent complètement, c'est-à-dire que les loyers vont couvrir non seulement la mensualité de remboursement, mais aussi les différentes taxes, par exemple la taxe foncière, les charges de copropriété que vous aurez en tant qu'acquéreur, les différents frais, les frais, les aléas, les inattendus. Et parfois, certains biens, dans le meilleur des cas, j'ai des clients qui dégagent ce qu'on appelle un cash flow positif de plusieurs centaines d'euros par mois, 100, 200, 300 ou plus. Et là, alors, moi, j'aime bien conseiller de les mettre dans une espèce de cagnotte pour absorber justement ces fameux aléas. Vous voyez, on a vu les parties communes qui sont à rénover au début de cette vidéo. Eh bien, tôt ou tard, si ça arrive, si c'est voté, eh bien, ça peut vite répartir au tantième de votre appartement, représenter plusieurs centaines ou milliers d'euros. Donc, c'est en cela que c'est même ce différentiel positif que vous aurez chaque mois, il ne va pas vous servir non plus à voyager, à être indépendant, mais en tout cas à absorber et faire en sorte que l'appartement continue à s'autofinancer. Voilà le but. Je profite de cette vue et de cet arrêt sur image pour vous montrer justement qu'ici, nous sommes au pied du centre régional Léon Bérard. Et donc, c'est un centre médical, en l'occurrence un centre de cancérologie, un des plus gros d'Europe, sinon le plus gros. Et donc ici, vous imaginez, vous avez également toutes les facultés de médecine, vous avez un métro, vous avez d'autres hôpitaux. Bref, on est dans le quartier médical. Et vous imaginez que quand vous achetez un appartement comme cela, bien sûr, ça a un coût. Et c'est là que le mode d'exploitation de la colocation va vous permettre justement de faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire de tendre vers l'autofinancement, voire d'autofinancer un bien. Ça dépend de plusieurs paramètres, ça dépend de la durée de l'emprunt, ça dépend de votre apport ou non, ça dépend de l'objectif que vous poursuivez également.
puisqu'encore une fois, un bien comme ça peut être tout à fait patrimonial et gagner de la valeur, et surtout vous dormirez sur vos deux oreilles quant au fait de la pérennité de la location. Et ça, bien, c'est un grand, j'allais dire, une grande sécurité quand vous investissez, que ce soit pour votre retraite quand l'heure arrivera, que ce soit pour votre progéniture, pour leur transmettre si vous le souhaitez, voilà, pour plusieurs objectifs. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous inspire. Dans cet appartement, vous l'avez vu, qui est en cours d'ameublement. Il y a les artisans qui vont arriver et puis d'autres meubles qui vont arriver. Donc, on est vraiment au tout début du chantier. Et j'espère aussi que cette formation Colocation Pro peut vous inspirer. Pour mieux vous la présenter en détail, je vais le faire également en webinaire, donc un webinaire en direct, des webinaires en direct. D'ailleurs, ça va être les mardis soirs. Dans la description sous cette vidéo, si ça vous intéresse de pouvoir obtenir un bien comme cela là où vous êtes, hein, pas forcément à Lyon, puisque je propose des services de chasseurs d'appartements à Lyon en tant que professionnel, dont cette formation est certifiée, le renouvellement, mais également ces méthodes en e-learning, cette formation Coloc Action Pro que je vous présenterai dans un webinaire en direct où je pourrai également répondre à vos questions et programmes également que vous aurez donc en vidéo aussi, en présentation PowerPoint, et vous aurez également des questions-réponses que vous pourrez me poser en direct si vous trouvez un bien là où vous êtes. Le but de cette formation, c'est de vous aider à repérer notamment les bonnes affaires, vous aider à les exploiter de manière correcte, vous aider à valider le marché avant de vous lancer dans l'achat si c'est votre premier investissement. Bref, vous sécurisez également sur votre opération. C'est le but de cette opération pour pouvoir obtenir un appartement dans une grande ville typiquement qui s'autofinance. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à mettre vos questions, vos commentaires dans la description ci-dessous si vous en avez. Je vais tâcher d'y répondre. Je suis en retard sur la réponse, je suis désolé. Et je vous invite à cliquer sur le lien d'inscription. Ça va être une page d'attente, hein, une liste d'attente pour vous inscrire. Mais il y aura des places au webinaire de présentation sur Colocation Pro. Voilà un programme que je crée à la lumière justement du terrain et puis de mon expérience, puisque moi j'ai commencé il y a de cela maintenant, c'était en 2005, donc ça commence à faire, avec sans aucune formation pour le coup, avec de la location non meublée, de la location de petite surface, de l'investissement dans du meublé, dans du saisonnier ici. Puis la vie m'a amené à cheminer jusqu'à ce parcours de professionnel dans l'investissement et plus enclin décidément dorénavant, j'allais dire, à la colocation, qui est un mode qui allie la sécurité, qui allie la pérennité, la visibilité et qui marche très très bien du fait de la demande de la part d'étudiants ou de jeunes actifs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne aussi, puisqu'il y aura d'autres appartements, alors de celui-ci d'ailleurs quand ce sera un peu plus présentable, j'allais dire, et puis d'autres appartements sur le terrain qui arrivent, acquis par d'autres investisseurs, lyonnais ou non lyonnais, basés en France ou expatriés, voilà, de la part de personnes qui veulent construire leur avenir et se sécuriser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour les prochaines, il y en aura une la semaine prochaine, et puis à bientôt en webinaire très prochainement sur la colocation et comment obtenir un appartement qui se paye tout seul, qui s'autofinance et qui assure votre avenir. Merci.